بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، mon frère, bien sûr, en premier lieu, surtout dans sa saison de mots qui nous fait vivre là, nous vivons une saison que Dieu nous permet beaucoup. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa taala qui peut donner nous l'occasion pour continuer à respirer. Et saisisse dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, saisisse ce faveur, ce rahmat l'onu, afin qu'il nous serve chaque seconde pour nous demander Allah pardon, nous demander Allah pardonne-nous et qu'il nous rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu de plus en plus, et en même temps nous capables d'augmenter nos bonnes actions. Et ça saisisse rahmat Allah subhanahu wa ta'ala l'onu. Et nous visons vin parmi Manjumun qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et Shaitan, quand il fin montré dans le Coran, quand l'un fait nous connaître à travers la parole Shaitan, qui majorité du monde pas pour choukar gouzar. Voilà, tajidou aktharahum shakirin. Dans la surah A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit Thumma la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il envoie ce la'nat, ce malédiction, le shaitan, quand shaitan il maudit, quand il vient matroud min rahmatillah, ça veut dire Allah, il fait shaitan vient mahroum, mahroum de rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire pas pour gagner rahmat Allah, shaitan, pas pour gagner rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan il dit qala anzirni ila yawmi yub'athoun, dans surah A'raf, dans des impasses. Alors shaitan il dit anzirni, donne-moi un délai jusqu'à jour qui pour relever manjimoun. Shaitan il demande dua avec Allah, shaitan demande dua avec Allah, anzirni, il fait une requête ila yawmi yub'athoun, jusqu'à jour qui pour relever manjimoun, jusqu'à jour pour jugement. Allah subhanahu wa ta'ala il accepte sa requête là. Qala innaka min al-munzarin, to pomi ban ki délai in accordé. Allah in accorde shaitan un délai. Saisis Allah qui accorde sa délai là. À ce qu'il dit, il dit fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al-mustaqim. À cause de laisse-moi tombe dans les gommes, les bureaux d'avoir le blâme là que ça n'a pas. Quand il peut dire Allah, toi, tu es égal. Non, Allah n'est pas égal. Si Allah est égal, il peut dire Allah, tu es égal. Non, Allah laisse-lui égarer. Allah laisse Iblis égarer. Alors, il dit Fabima, arwaitani, la akhoudan, la hum surat al-mustaqim, bo poissis, pouzot, pouz enfant Adam, lo surat al-mustaqim. Je te dis, écoute, Jumma vendredi, on explique ce hadith avec ça et Quran. Ensuite, il dit Satan continue à dire. ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله سبحانه وتعالى إنفني أنفيل. En anglais on appelle ça أنفيل. En créole nous dit Allah إنفني découvrir plan شيطان dans Coran dans plusieurs sourates quand il décrit pour insan tout un plan شيطان. Nous pas besoin d'un Illuminati. Nous pas besoin d'attendre Ya'juj Ma'juj dans 2021. Nous pas besoin d'attendre Shaitan sur ban allié. Nous pas besoin d'attendre ban kinfer, ban adorateur de Iblis. Nous pas besoin d'attendre ça parce que nous, nos Coran, 1443 ban années de cela, infini un véle pour nous
Coran avec Sunna, plan shaitan. Oui, tu m'as marié passeport, madame, tu m'as marié passeport, monsieur, tu m'as marié passeport aux enfants, wa sharikum fil amwali wal aulad. Ni pour participer avec nous, donne-nous du bien avec nos enfants. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Oh, man kina iman, dans votre madame, monsieur, madame, et dans votre enfant, il y a un ennemi pour vous. Qui fait l'ennemi parce que si arrivé sa madame et ses enfants, là, il y a une source, ou ça, il y a un moyen qui shaitan servi pour faire du monde éloigné avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ennemi. Ça, c'est un paramètre dans le Coran. C'est un paramètre pour nous évaluer nos familles, comment nous pouvons vivre digne dans la case, dans cette dunya-là. C'est Daro Imtihan. Cette dunya-là, c'est une chambre d'examen. Et dans l'akhirat, c'est une chambre de récolte. Clair? Shaitan, l'indi Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la atiyannahu min bayni adim wa bataqzud en face. En face, c'est dans le dunya. Wa min khalfihim, dans le akhirat. Nous, l'objectif, c'est l'akhirat, il faut nous là-dedans. Wa an aymanihim, dans nos bonnes actions. Wa an shaitan, pour attaquer nous dans nos bonnes actions. Subhanallah. C'est pour ça que Shawkani, rahmatullah alayhi, dans Fathul Qadir, dans ce tafsir, Shawkani, un alim de Yémen, il n'est pas trop loin avec nous, une des 150 bananes de cela. Dans ce livre, Tafsir Fathul Qadir, quand il peut faire Tafsir, ayat Qur'an, de Surah An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu lis le Qur'an, c'est protection avec Allah contre le shaitan. Al-Shawkani, rahmatullah alayhi, il dit, musulman, bizarre réfléchit, que si pour lire la parole Allah, c'est protection avec Allah pour lire la parole Allah contre Shaitan. Mazine, quand nous faisons bonne action, ça veut dire nous bisons c'est protection avec Allah contre Shaitan. Tension, il fait nous faire sa action là avec Ria pour montrer du monde. Tension, il fait nous faire sa action là pour nous vin, pour nous non parer. Tension, il fait nous faire sa action là pour nous rater une action qui plie important. Il fait nous faire sa action là pour nous rater une action qui plie important. Shaitan est capable d'aider nous pour faire une bonne action, pour lui empêcher nous faire une action qui est plus importante, qui nous tient à pour faire. Un exemple très facile pour comprendre. Shaitan qui allait nous 3h du matin, fait nous faire tahajjud, ensuite, un coup de nous assiser, nous assoupir, nous ratfadjal quand nous lever, soleil il finit lever. Qui est arrivé là? Shaitan est venu pour faire tahajjud, Shaitan. Alors Shaitan pour attaquer nous dans nos bonnes actions, et déjà, il peut attaquer nous, même pas faire nous faire mauvaise action. Et pas oublier que Shaitan n'est pas dans l'autorité de l'insan, mais c'est moi, il y a l'autorité. Il donne juste un da'wat. Shaitan fait da'wa. Dans le Coran, Shaitan, il y a un da'i. Il est bon que tout mon frère et mon soeur qui fait da'wa, je te comprends. Qui da'wa nous peut faire? Nous peut inviter du monde vers Allah, nous peut inviter du monde vers nos personnalités, nous peut inviter du monde vers nos jamaat, nous peut inviter du monde vers nos alim, nous peut inviter du monde vers nos pays. Nous pouvons inviter du monde pour augmenter nos jamaat dans nos masjids, ou bien nous pouvons inviter du monde vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nous pouvons faire un travail shaitan qui lit et invite du monde vers Jahannam. Mais après, il fait da'wa. Quand il dit que shaitan fait da'wa, quand il dit que shaitan fait da'wa, il invite du monde. Da'wa veut dire donne da'wa. Donne da'wa veut dire invite du monde. C'est moi, shaitan, il invite du monde pour qui ça fait? Quand il invite du monde, ya ayyuhannas, an. Ya Yohannas, inna wa'ad Allahi haq da surah Fatir, fala taghurrannakum al-hayatu al-dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur, inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u, yavit, hizbahu, sopati, liyakunu min ashabi al-sa'ir, pour je vin man habitant de l'enfer. Ça veut dire, shaytan, li invite jimoun pour nous vin man jimoun dans Jahannam. C'est moi invité, li fait da'wa. Nous avons deux qualités de dawat. Un dawat vers Allah, vers Jannah, un dawat vers Shaitan, vers Jahannam. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Shaitan indique, wala tajidu aktharahum shakirin. Shaitan peut cause avec Allah,
déjà, oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux trouver qu'une majorité des enfants Adam qui te préfèrent eux sur moi. Ça veut dire, parce qu'il dit, quand Allah pose une question, qui fait de bonne faire ses idées, mon plus meilleur qu'il est. Tu ne crées moi avec Dieu, tu ne crées lui avec la terre. Alors, Shaitan, l'état de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa scénario, quand Allah là-bas, il dit à Allah qui, ça va nos enfants Adam là, ça va nos enfants Adam là qui, tu ne fais moi faire ses idées pour Adam, tu donnes moi l'autre pour faire ses idées pour Adam, ça va nos enfants Adam là, voilà, tajidu aktharahum shakirin, majorité parmi eux, pas pour shukar gouzar. Qui veut dire shukar gouzar dans le Coran et dans le Sunna? Numéro 1, c'est établir ibadat zis pour Allah. Mais dans le monde, 80% du monde, puis à dos, peut établir ibadat pour un l'autre apporte Allah. Quand il y a un l'autre là, c'est tout ce qui est adoré apporte Allah. Comprends ça, mot là bien. Ador un l'autre apporte Allah, établir ibadat pour un l'autre apporte Allah, demande dua avec un l'autre apporte Allah, dirige nous abat qui nous fait pour nos animaux vers un l'autre apporte Allah, dépense dans un l'autre chemin apporte Allah, pas pour sa fille sabilillah, après ça, la fille sabilillah, gairillah, c'est assez court avec un l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous dit un l'autre apporte, min dounillah, c'est tout ce qui dit moun adoré apporte Allah. Même si nous avons un ambiya alayhi moussalam là-dedans. Là, la même qui m'a dit, il y a une différence entre ilah avec tawhout. Et la différence entre le mot ilah, la ilaha avec tawhout. La ilaha veut dire la ma'bouda bihaq. Il n'y a aucun vrai ma'boud. On finit d'expliquer ça, des semaines, des sénats. Parce qu'il y a beaucoup de ma'boud qui est fausse. Ban aliha qui batila, dhalika bi anna allaha huwa al-haq wa annama yad'una min dounihi al-batil. Allah peut dire dans le Coran, tout ce qui ban jimoun adoré ou ça invoqué, apporte Allah zot batil, zot fausse. Est-ce qu'ils ont imaginé, mon frère, zot imaginé qui Isa alayhi salam, manjoun adoli, et n'a quitté le Coran ça? Et n'a? C'est n'a imaginé qui en parti djimoun parmi insan, in ado, Isa alayhi salam. Veut dire en arabe, je n'ai adopté Isa comme ilah, comme ma'boud. Qui a été courant de ça? Dernier passage de Surah Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah, qala subhanaka an yaqulu an aqula ma laysa li bihaq. Comme vous avez dit quelque chose pareil, Isa peut dire Zoukriyama là. Mais Banjimoun in adoli comme ilah. L'élan même nous fait différence entre ilah, c'est-à-dire une petite chose ou bien une personne qui est adorée, un tawhout, c'est lui qui satisfait quand Jimoun adoli. Est-ce qu'ils ont pensé qu'Isa est satisfait quand Banjimoun in diali est même Allah ou ça n'est pas satisfait? Qu'ils ont dit? Il n'est pas satisfait normal. Et Zoukriyama, il peut dire Allah, non, jamais mon panjé zot adore moi, jamais mon panjé zot fait mon ibadat. Ça veut dire, Banjimoun in ado sa nabi, qui appelle Isa alayhi salam là, comme un ilah, min dounillah, comme une divinité, une diété, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi, est-ce qu'il y a une vraie divinité ou bien les fausses? Les fausses. Quand Shaitan, il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tajidu aktharahum shakirin, Surah Araf, ô Allah, tu peux trouver que la majorité des enfants Adam, 80% de nos jours, 80% de nos jours dans le monde, et dans Maurice aussi 80%, là, tu dis que aktharahum shakirin, je pas pour shukar gouzar. Qui veut dire shukar gouzar en premier? C'est pas dire Allah nous remercie toi, Allahumma lakar. Non, en premier, c'est établir ibadat pour Allah. Faire ibadat zis pour Allah, c'est première forme de shukar gouzar qui est une banda faire pour son khalik, pour son créateur subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ça clair? Deuxième, c'est respecter les limites. Bien souvent, quand on dit un peu mot, on dit que nous avons fait tauba, qui veut dire ça fait tauba? Là, dans un moment, Inch'Allah, vendredi, quand on fait Jumma, Inch'Allah, ici, je peux expliquer ça. Ça l'état d'esprit de en même temps, du moun pémo en même temps la fin de l'année peut venir. Comment faire ça? Hein?
Comment nous servons en tant que musulmans, en même temps nous passons dans saison de coûte rotin, je t'écoute Jumma, Bala, il descend l'eau nous. Moi, je fais 3 semaines de cela, dans ma cité d'Alouadi, et dans le YouTube, dans le Facebook, mon appel Jumma là, ce titre, c'est nous payons un coûte rotin, Bala, il descend. Quand Bala descend l'eau nous, ça veut dire nous payons un coûte rotin. Essayez, imaginez, préparez-vous pour Jumma vendredi, qui. Dimoun là, en même temps, les bégayens coûtent rotin avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les retourner vers Allah d'une façon causée. Ça veut dire Allah paye de nous un test. Paye de nous un test afin qu'il nous retourne vers Allah. Ce n'est pas qu'Allah peut punir nous, non. Allah n'a pas encore commencé à punir nous. Non. Je finis d'expliquer le Coran. Je donne plaisir à l'ayat Coran quand Allah dit par exemple « وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » dans surah A'raf. Allah dit dans surah An'am « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون quand Allah donne sa coup de rotin, quand Allah donne sa coup de Tesla, quand Allah donne sa tipe, pas capable même appeler puis j'appelle un coup de rotin, moi pas appeler rotin moi. Juste pour que vous compreniez, Allah n'a pas dit qu'il donne un coup de rotin, mais quand Allah donne sa Tesla, qui fait qu'il donne sa Tesla, la'allahum yarji'oun, afin que vous retournez vers Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Clair là? Asté nous donne un moment, essayez d'imaginer un coup, un musulman, comment vous faire ça dans plein vert, dans pour lui, dans le monde, dans le monde aussi, dans l'Arabie aussi, dans le Pakistan, partout, et dans Maurice, quand nous payons un test de la part d'Allah pour nous retourner vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, nous avons une fête de fin d'année. Oh, musulman, qui te roule? Comment tu fais ça? Ça, Inch'Allah, vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala jala jalalu qu'il peut dire wa la tajidu aktharuhum shakirin à la lisan du shaytan. Shaytan peut dire dans le Coran, Allah ne fait dire, il me dit dans le Coran, que majorité du monde pas pour choukar gouzar. Numéro 1 pour nous choukar gouzar, c'est établir ibadet pour celui qui crée nous depuis le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2, quand nous disons, tu arrives là, fais tauba. Un du monde a envie de faire tauba dans sa saison de tauba là, dans sa saison de test. Qui m'a dit, bizin fait tauba pour punition Allah pas descendre. Bizin fait tauba pour Allah sous punition pas descendre et qu'Allah enlève sa balala. Et bizin en haut donne le bien, empêche le mal pour Allah enlève sa balala. Fa anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsiqun. Dans sourate A'raf, Allah peut dire, fa anjayna, nous fin sépare, nous fin prothèse, nous fin. Nous fait une prothèse, qui s'en a Alladhina yanhauna anissou, ban qui empêche les mal. Et moi, je fais une trappe les autres. Ça, c'est un moyen pour qui nous ne pas trapper avec Allah. L'autre moyen, Wama kan Allahu li yuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Deuxième moyen pour ne pas gagner punition Allah, c'est que la société, puis à la dérive, une partie du monde continue de travailler pour purifier soi-même et purifier la société. Ça s'appelle ça muslih, man muslihun. Troisième moyen pour ne pas gagner punition Allah, wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Aussi longtemps que le monde fait istighfar avec tauba, punition Allah pour loin avec nous. Là, nous dans un moment de test pour retourner vers Allah. Aïe. Mais quand nous disons, j'ai fait tauba, qui a fait tauba? Je fais istighfar avec tauba. Je reconnais mon péché et je retourne vers Allah, ce l'aude. Et l'aude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fait que je dis, j'ai les courses. Aïe. Ce madame, il mort, par exemple, de sa période là. N'importe qui Allah pardonne tout les musulmans qui peut mort. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma gfir li mawtana wa mawta al-muslimin, warham mawtana wa mawta al-muslimin. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اسكنهم فسيح جناتك او الله بودنزت ادنزت فزت قبر من زاده بامي من زاده الجنة اي او الله متزت دون جنة الفردوس الاعلى ساسا دعاء كي نفيا بول مسلمان فيكم اجن جيمون سو مانا مين مو دي بران كونسيونس اي تابتي سو لي كوس اي جامو فيت توبه
Il dit Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah content. L'Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdi. Allah est très joyeux, il est très content quand ce serviteur fait tawba. C'est moi qui lui avais quoi samedi, il râle les coups seulement. Il n'est pas bien comprendre qu'il a fait tawba là, veut dire, mon visa fait nadamat. Nadamat veut dire, mon sagrin qui m'a désobéi. Allah, numéro 2, c'est vous faire promesse avec Allah, qui ne m'a pas pour refaire sa action là. Mais quand nous disons nous pouvons faire tawba, qui veut dire, nous devons analyser combien de péchés qui nous peut faire, les grands péchés ou bien les petits péchés. Moi, si je tout déjà connais, nous avons deux qualités de péché. Nous avons un péché qui est grand péché, et un péché qui est petit péché. À cet un grand péché, il y a un péché destructeur, ce qu'on appelle al-mubiqat al-sab'a, et il y a un grand péché de un grand péché, akbarul kaba'ir. Un plus grand péché de un grand péché. Après ça, akbarul kaba'ir, il y a un péché destructeur, après ça, mubiqat, ensuite il y a un grand péché, ensuite il y a un petit péché. Mais un jimoun, il connaît qui a été péché, il peut faire de sur la vie. Alors, voilà, tu dis, Aktharahum Shakirin, quand il fait tauba, veut dire qu'il retourne vers Allah pour arrêter de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Numéro 3, quand nous dit remercier Allah, numéro 1, c'est établir ibadat juste pour créateur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2, respecter sur ma limite. Numéro 3, c'est remercier Allah avec nous la bouche pour dire Alhamdulillahi ala kulli hal, Alhamdulillah wa shukrulillah. Ça aussi appelle ça remercier Allah avec nous la bouche. Est-ce qu'il s'acclare ou la tajidu aktharum shakirin? Différence qu'il y a entre ilah avec ma'boud, un ilah c'est n'importe qui quitte chose ou bien qui personne qui être adoré, du monde adore lui, divine appelle lui un ilah. Et s'il est satisfait, quand du monde peut adorer lui, il appelle lui un tawhout. Et ça, c'est une forme de tawhout, et une plaisir forme de tawhout, et c'est lui qui lui fait législation. Halal vin haram, haram vin halal, lui aussi, il y a un tawhout. Et c'est lui qui dit à l'icon ilmul ghaib, il y a un tawhout. Un magicien, lui aussi, il y a un tawhout. Et shaitan, lui aussi, il y a un tawhout. Ça, c'est cinq heads, tawhout. Et nous gagnons l'autre dans le Coran pour réser le tawhout. Bon, nous disons le Coran, Allah dit dans sourate An-Nahl, verset 36, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ » Et dans sourate Baqara, « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » Et ça, on finit expliqué la semaine passée. Dans nos leçons aujourd'hui, quand nous disons « Ma'aboud, c'est faire ibadat pour l'autre apporte Allah. » Qui est-ce que vous pensez que nous devons apprendre à ce terrain aujourd'hui? Quand nous disons « La ilaha illallah » veut dire « Pas établir ibadat point l'autre apporte Allah. » Qui est-ce que vous pensez dans sa sentence, là, dans sa phrase qui nous devons apprendre à ce terrain? Qui est-ce que vous dites? Et c'est un mot pour montrer aujourd'hui. Qui est-ce que vous fait? Comprends bien. « La ilaha illallah » nous finit à apprendre. « La ma'abouda bi haqqin illallah » Peine à personne mérite ibadat excepté Allah. Peine à personne mérite ibadat, excepté Allah, ça appelle ça la ilaha illallah. Qui se pense, je besoin de dire moi, mais qui question, je besoin de poser, là, moi explique ça aujourd'hui. Hein? Moi, nous autres, ça c'est Jumma, la semaine passée, dans Saad, moi explique, moi nous autres, l'exemple, je suis capable de répondre moi là. Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, c'est un sahabi, qui fait une sortie dans Nasara, sortie dans dit Nasrani, dans chrétien, il fait une rentre dans l'islam. Il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et il a la croix de ce cou. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Da'anka hadha al-wathan, ou al-wathan hadha, ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ou Adi, al-jetsa. Wathanna, c'est un monument qui est adoré. Quand il a zet sa wathanna, il est retourné, sahabi là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut lire ayat Coran. Qu'est-ce qu'il peut dire? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dounillah. Allô?
Sayyid Qurana dans surah Nif, surah Tauba, Allah peut dire ittakhadhu ban yahud wa ban nasara ahbarahum zut prit wa ruhbanahum zut moine comme rab. Rasoul peut lire sa ayat Qurana de hadith là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire sa ayat Qurana de surah Tauba, il peut dire ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Quand le Rasoul peut dire ça, dans qui mounasaba nous Habib sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, dans sa mounasaba qui nous envoie Adi ibn Hatim pour aller ça la croix qui tient de celui coup. Right là. Quand Adi ibn Hatim entend ça, il répond au Rasoul sallam, ya Rasoul Allah, lesna na'abuduhum au kamakal. Qui lui dit, mais nous, pas tu peux faire ibadet pour manla nous. Adi ibn Hatim qui peut dire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ayat Quran là peut dire qu'il manna il a adopté. Vous êtes prêt exactement comme Rab. Ça veut dire que je peux faire ibadat pour votre Rab. Ça prête exactement là. Ça, sahabi là, il peut dire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous pas tu peux faire votre ibadat. Lui qui dit penser ibadat veut dire ici, li, sahabi là. Qui dit comprend ibadat veut dire? Hein? Je veux dire. Et tu peux penser, mais namaz, mais nous pas faire namaz pour nous prêter que nous moines. Rosa, nous pas garder rosa à cause nous prêter que nous moines. Zakat, nous pas donner zakat à cause nous payer nous prêter que nous moines. Hajj, nous pas faire hajj dépense nous l'argent à cause nous prêter que nous moines. Lili peut dire à Rasoul, mais nous pas tu peux faire cette ibadat parce qu'il de cela tête, l'in comprend qu'il ibadat veut dire namaz, rosa, hajj, zakat. Dans le hadith là, pas dire ça parce que c'est explication qui m'a expliqué ça. Quand il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lesna na'abudum, nous pas faire cette ibadat. Asté Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut expliquer une forme de ibadat qui ban juif et ban chrétien qui fait en face avec votre prêtre et moine, qui sa soura de sa ibadat, qui sa tasawur de sa ibadat. Écoute explication de nous Habib sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lydia, est-ce que maintenant tu peux faire halal vin haram? Je t'ai approuvé? Elle dit, oui, nous tu peux approuver. Quand maintenant tu peux faire haram vin halal, je t'ai approuvé? Oui, nous tu peux approuver. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, fait-il que ibadatuhum, ça même veut dire qu'ils ont fait ibadat pour Saban, prête que moine là. Là-dedans, il y a des explications. En même temps, Saban, prête que moine. Qui t'y peut faire législation, appelle zot toi route et crop. Je ne reprends place, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui tout seul possédé, c'est dire halal et haram. Ben prête que moi là. Et ça m'a dit moun qui accepté, in obéir blindly, totalement, je ne soumette à sa décision de sa man prête que sa man là. Appel qu'ils ont fait ibadat, ça m'a prédit que ça m'a dit. Ça, c'est ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam expliquait dans sa hadith là. Ça veut dire que nous ne comprenons que ibadat, ce n'est pas juste rosa, namaz, hajj, zakat. Oui, non. Tawakkul aussi, ibadat. Khawf min Allah, ibadat. Taqwa, ibadat. Mettre l'eau d'Allah en pratique, ibadat. Reste loin avec quelque chose qui Allah fait haram, ibadat. Obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ibadah. Reste loin avec quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit défendre, ibadah. Et ensuite, الدعاء هو l'ibadah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ilia sa ayat Quran, inna alladhina yastakbiruna an ibadati, wa qala rabbukum ud'uni la surah ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Zot Rab in Diazot, Zot Rab in Diazot, subhanallah. Quand mon père écoute ce qui X, Y, Z peut dire, quand mon Rab in Dia, wa qala rabbukum, ud'uni astajib lakum. Demande-moi, doit me répondre ce doua. Comment nous capables de dire, ya Rasulallah, arifni? Comment nous capables de dire, al-madad, ya Abdel Qadir Jilani? Comment nous capables de dire, mera pir destagir, tu hi hamka khar ho, tu hi bera par, karoto mera bera par ho? Comment nous capables de dire, ya gharib nawaz, mera dil ko saaf karo, mera dil me nour e iman dalo, mera dil me ye dalo, vo dalo, mera jholi bhar do? Tu salah pe sa demand dua, vi ken lo ta pot Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pe dire, wa qala rabbukum, ud'uni, wa qala rabbukum, ud'uni,
tadouni astajib lakum, zot rab indiya, demande-moi, me répond zot, insandia, mera pir destagi, tu hi ham kakhar ho, tu hi bera par karo, to mera bera par. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li liya sa ayat Quran la, ensuite li diya fa inna dua, huwa l'ibada, en vérité dua, sa même ibada. Ça veut dire quand Jimoun lui prend ce doua, lui dirige, lui vient l'autre apporte Allah, ou bien ensemble avec Allah, ça veut dire qu'il peut faire ibadat. Quand l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas d'après l'enseignement savant de l'Arabie, ou bien de Liban, ou bien de l'Égypte, ou bien de Pakistan, ou bien de n'importe quel endroit que Jimoun peut apprendre. Non, ça c'est l'explication Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit fa inna doua. هو العبادة دعاء عبادة une fois qu'il y a une ibada li pa gen droit dirige dit tout vers un autre apporte Allah mo explique ibada parce qu'il nous finit comprend qui nous bise faire ibada dis pour Allah mais si nous pas comprend qui veut dire ibada nous capable pas l'inconscience ou ça pas manque de connaissance al dirige nous ibada vers l'autre apporte Allah et quand nous dirige nous ibada avec l'autre apporte Allah. Mais il n'y a aucune différence entre nous avec Quraysh Makkah parce qu'il y a l'un des Coran وَمَا أُمِرُوا دَسُورَ بَيِّنَا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je ne veux pas finir l'autre pour faire ibadat excepté pour faire ibadat avec ikhlas, et ikhlas veut dire dirige ibadat juste vers Allah. Clair? Est-ce que ça clair, mon frère? Ça veut dire qu'ibadat là, il y a différentes formes. Tawakkul ibada, fala takhafuhum wa khafuni. Al khawf, la peur, c'est ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour pour Allah, ibada. L'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ibada. L'yadaroud, ibada, fait salat aussi, ibada. Et n'a pas une ibada qui visible, qui nous fait, comme un tasbih, rosa, hajj, zakat, namaz. Et n'a ibada nous fait de l'équerre, comme un tawakkul, khawf, khashya, l'amour pour Allah, yaqin, l'eau Allah, l'eau parole Allah, l'eau parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a l'un dit wa bil akhirati hum yuqinun, zutina yaqin, l'eau Allah, parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est man ibada qui est zahira, qui est visible, et man ibada qui est invisible, comme on m'a fait expliquer. Mais si nous ne connaissons pas, nous avons dit ça, mais l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Paris, comme à l'époque-là, nous sommes malades. Qui nous vient faire? Nous prenons une précaution. Qui Allah il enseigne insan à travers la connaissance de science, mais seulement nous tawakkul, nous dépendance, les islo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fa'ala Allahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Fait tawakkulu Allah, c'est votre mu'min. Moussa alayhi salam dit à son peuple, wa qala Moussa ya qawmi ista'inu billahi wasbiru. إن كنتم مؤمنين. بنجى فقالوا قال موسى لقومه استعينوا بالله وقال موسى لقومه فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى عليه السلام جاء سبحان الباب فتوكلوا على الله سيبغي ممزل مسلمان زنا من إيمان. بنجى فقالوا على الله توكلنا. بنجى غيبون لابيل زد نبي زد جلو الله نمت توكل. Mais c'est en même temps, mais tawakul prend une précaution qui Allah il a enseigné à travers la science. Est-ce qu'il s'acclare le ibada? Nous finissons de comprendre différentes formes de ibada. Il y a ibada qui est visible, il y a ibada qui est invisible. Et parmi les ibada qui est visible, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, labbaik, Allahumma labbaik, adhan, Allahu akbar, namaz, hajj, zakat, iftar. Qurbani, ça c'est une ibada qui est visible et une ibada invisible. Comment on fait mentionne quelques une ibada invisible, ça clair. À ce point, une ibada acceptée, besoin des éléments de sa ibada pour y accepter, pour nous terminer sa leçon aujourd'hui là. Ça n'a connu. Pour nous une ibada acceptée, besoin des éléments de sa ibada pour y accepter que Allah subhanahu wa ta'ala. Qui élément premier? Al-Ikhlas veut dire ibadat, vous êtes dirigé zis vers Allah. Nous pas dire nous ibadat dirigé vers Allah, non, dirigé zis vers Allah. Numéro 2, l'ibadat tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et ça, c'est implication, compréhension de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, c'est établir ibadat zis pour Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, établir ibadat zis dans tariqa Rasulullah. Est-ce qu'il est difficile pour un musulman? Nous comprenons ça, sa explication, qui quand nous peut lire la ilaha illallah, nous peut dire qu'il nous établit ibadat zis pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Quand nous dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est zis tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut accepter de darbar Rabbul Alamin. Ben les autres tariqa pas pour accepter de darbar Rabbul Alamin. Je vais donner un exemple. Trois jeunesses dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis qu'il laisse nous inquire. Nous inquire concernant l'ibadat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait nous besoin de comprendre, mon frère, mon soeur. Premier, c'est faudé, il appelle l'ibadat avant, si pas appelle l'ibadat. Comment nous pouvons connaître une petite chose, c'est une ibadat? Comment nous pouvons connaître ça? Numéro un, c'est identifier mon ibadat. Comment je peux décider, comment je peux connaître qu'il y a une petite chose, c'est une action, une parole, une croyance, une ibadat. Comment je peux connaître ça? Dis-moi. Hein? Quand Allah compte en lui. Quand Allah compte en lui. Comment je peux connaître Allah content une action ou bien une parole ou bien une croyance qui Allah satisfait et lui content? Comment je peux connaître ça? Hein? Je dis à mon frère. Comment vous connaissez ça? Il faut dire le Coran. Parce qu'Allah adresse avec insan, dit le Coran. Allah pas adresse nous dans nos rêves, faire attention. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala adresse nous le Coran, il dit Inna Allah yuhibbu tawabin. Allah est content qui fait tawba beaucoup. Ça veut dire fait tawba une ibadat. Et c'est lui qui fait tawba beaucoup, Allah content lui. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah content man muttaqin. Ça veut dire taqwa, c'est une chose qu'Allah content parce qu'il y a une ibada. Clair? Ça veut dire pour nous connaître s'il y a une ibada, il faut dire tout le Coran et dans le Sunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yuhafidh ala al-wudu illa mu'min. C'est juste un mu'min qui préserve wazou. Dans le comport qui préserve wazou, c'est une ibada. Comment mon oiseau cassé, mon refait oiseau, même peine à namaz, qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous qui la yuhafidh ala al-wudu illa mu'min, qui c'est juste un mu'min, un croyant qui préserve oiseau. Ça veut dire préservation oiseau, c'est qualité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître Allah content. Oui, non. Comment vous connaissez une petite chose ibadat? C'est quand il est approuvé par le Coran avec Sunna. Parce qu'il n'y a pas d'un rêve qui nous pouvait gagner un nouveau ibadat qui partit ibadat dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça clair? Fait que moi, je me disais hier soir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans mon rêve, il dit à moi, surah Baqara, premier jour, premier Ramadan, il dit à surah Ali Imran, deuxième jour Ramadan, Lié surah An-Nisa, troisième jour Ramadan, et je viens dans le Jumma, je dis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Lié surah Baqara, premier Zilhij, Lié surah Al-Imran, deuxième Zilhij, Lié surah An-Nisa, troisième Zilhij. Qui arrive après ça, ibadat ça? Dans rêve? Mais Al-Yama akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raduitu lakum l'islam adina, nous peut dire qu'il nous dit une perfectionnée. C'est-à-dire, pas pour capable et une ibadat qui n'a pas fait une fête de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa présence, de sa condition encore dans la dunya, qui de nos jours n'a pas appelé ibadat. Faudrait que sa action-là, ou bien sa croyance-là, ou bien sa parole-là, il existait dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il approuve sa petite chose comme une ibadat, l'élan n'a appelé ibadat. Ça clair? Parce que quand on finit, il y a une ibadat et une deuxième étape, parce que nous devons faire les juste pour Allah et une troisième étape, il faut dire dans la tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les juste ibadat, pas suffit.
Quand ils disent ibadat, nous fait aller de nous la tête, d'après nous la tête, il n'est pas pour accepter que Allah subhanahu wa ta'ala accepte qu'il nous fait sa ibadat là, dans la tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Est-ce que ça clair? D'accord? Allez, mon Dieu, un hadith nous termine. Trois années, je dis qu'il nous disait à l'inquire l'ibadat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je n'ai pas le code sur madame. Ça trois là, c'est dans le code madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour je t'inquire, à le demander, à le poser question, comment, parce qu'ils ont fini de comprendre, Muhammad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, bizarre faire ibadat, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait, de cette façon qu'il a enseigné, de cette tariqa qu'il a enseigné. Right là. Maintenant, il a demandé, les temps ont fini, gather toutes mes informations, ils ont fini de collecter mes informations, je dis à qui, je peux trouver que Rasoul Sam sur ibadat de Tchigit. Mais là, il dit, li, quand il a fait ma taqaddam min dhambi wa ma ta'akhkhar, li Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paye un péché et tout qui soit pardonné dans le passé, dans le futur. Mais nous, nous avons beaucoup péché, ça veut dire nous pouvons faire beaucoup ibadat. Qu'ils ont dit, elle n'a dit, inni la asoum ou dahra, moi pour garder ça tous les jours. Elle n'a dit, inni la atazawajou nisa, moi pas pour faire nika. Troisième, là, dire, la akoumanna l'ail, moi, vous faites tahajoud toute longue la nuit. Sa nouvelle-là, vient contre Rasulullah. Est-ce que ça m'en sahaba là, là? C'est ibadat, même qu'ils ont dit, vous faites là ou ça pas ibadat? Godroza, c'est ibadat ou pas? Faites tahajoud, c'est ibadat ou pas? C'est ma en là, il n'y a pas pour mourir qui fait pour les libérer, pour les faire ibadat. Il n'y a pas pour gagner sa traque, pour responsabilité de la femme et des enfants. Je ne parle pas de ça, je pourrais single pour faire ibadat. Quand sa nouvelle là vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit pour mes affaires, appelez-vous, confirmez information avant. Confirme information avant. Est-ce qu'il vraiment me dit ça? Ben, il dit, oui, nous disons ça. Rasoul Sam dit, inni la atqakum billahi wa a'lamakum, ou bien inni la a'lamakum billahi wa akhshakum lillah. Moi, je connais Allah plus qu'ils autres, et dans différents riwayats, et je paye Allah plus qu'ils autres, et je n'ai pas quoi plus qu'ils autres. Ou salli wa anam, je fais ibadat dans la nuit, et en partie la nuit, je dormis. Asoumo wa uftir, et je n'ai pas gardé rosa, et je n'ai pas gardé. Wa atazawajun nisa, et je fais nikah avec ma madame, je marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est lui qui détourne avec mon sunnat, il n'est pas parmi nous. Clair? C'est ibadat, même maintenant tu peux le faire, mais quand ibadat là, il n'est pas dans la tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est lui qui n'a pas fait ibadat là, d'après mon sunnat, il est dévié de mon sunnat, فَلَيْسَ مِنِّي, il n'est pas parmi nous. Et ça enseigne-nous, numéro 1, quand nous faisons ibadat, il faut y approuver sa ibadat dans le Coran et dans le Sunnah. Numéro 2, nous devons faire sa ibadat là, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 3, nous devons seulement dans la tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quand nous faisons de sa façon, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, une action qui est acceptée. Mais si action là, il n'est pas fait par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas appelé ibadat, il n'est pas approuvé par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas appelé ibadat, pas fin enseigné par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas appelé ibadat. Imam Malik rahmatullah alayhi, il dit, man lam yakuna fi zaman nabi sallallahu alayhi wa sallam dinan, lan yakuna fi zamanina dinan. Ou comme a dit l'imam Malik rahimahullah, il dit quelque chose qui n'est pas ibadat, pas din, de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de faire din dans nous l'époque. نفعد عليك الله سبحانه وتعالى جل جلاله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم ارفع البلاء عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا.
اللهم رد شبابنا وشاباتنا إلى دينهم ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء من عندك يا رب العالمين يا شافي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.